Salut à tous, aujourd'hui on est en troisième catégorie à Marzan euh, Cette course est un petit peu particulière pour moi Puisque euh, je reviens sur mes routes d'entraînement Quand j'étais en, en catégorie euh, cadet, junior et, et, et senior Donc c'est plutôt cool de, de revenir ici En plus c'est organisé par euh, mon club formateur, le, le Vélos Vanté euh, D'ailleurs si vous ne savez pas où emmener votre gamin ou votre gamine emmenez-les là-bas parce que c'est vraiment un super club. Euh, on, on y travaille plusieurs disciplines, euh, que ce soit le VTT, la piste ou bah, bien sûr la route du coup. Il euh, y a vraiment, c'est vraiment très formateur sur plusieurs générations. Ils ont sorti des pros, notamment Benoît Vaugrenard euh, Coralie Demey qui a fait le tour de France féminin cette année. Il euh, y a Julien Maurice également. Donc euh, beaucoup de bons coureurs qui sortent, euh, mais pas que des pros. Il hein. y a aussi des, des élites qui sortent de, bah, des, des rangs de formation du, du Vélos Vente et même si vous devenez pas pro euh, ou coureur élite, vous devenez un peu euh, bah, des coureurs euh, quand même euh, qui savent se tenir dans un peloton. Euh, et puis qui savent se comporter sur la route euh, en sécurité, etc. Euh, autant qu'on peut. Euh, donc voilà. La course de Marzan, c'est 90 coureurs au départ, 95 km, c'est vraiment plat. Il n'y a, a pas trop de difficultés aujourd'hui, même si dans une partie du circuit, euh, c'est un petit peu euh, plus difficile. Mais en, on va dire que c'est plutôt un circuit euh, plat, et donc ça va rouler très fort. Voilà, kilomètre 17, euh, j'ai retenu ma leçon de rieux euh, quelques semaines avant où j'avais déjà kilomètre 12, j'étais déjà mort parce que j'avais voulu prendre un peu tous les coups, je voulais vraiment être dans l'échappée etc. Et au final je me suis brûlé les ailes et quand il a fallu euh, bah, au, au moment décisif partir, bah, j'étais plus capable de le faire, la roue était devant moi euh, mais j'ai pas pu la prendre et euh, du coup je me suis retrouvé euh, bah, piégé et je voulais pas que ça se reproduise aujourd'hui donc... Euh, donc je me suis dit aujourd'hui on commence la course un peu plus calmement, euh, un peu plus conservateur, on suit les coups, on se laisse porter. Là comme là il y a une attaque juste devant moi, je me dis bon c'est juste un coureur, un coureur contre un peloton, il n'arrivera jamais à y aller. Et en plus il y a les coureurs du peloton qui reviennent. Donc euh, en général c'était ça pour éviter de faire des gros à pour euh, bouffer de l'énergie tout de suite. Euh, je me laissais un petit peu redescendre pour éviter les à justement et, 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 et bouffer toute mon énergie. Et là, euh, vous voyez le coureur sur la droite en rose qui vient d'attaquer, on le voit à peine là, il était vraiment très fort. Et euh, c'est une autre chose aussi que j'ai retenue pendant cette course, c'était euh, bah, il faut suivre des coureurs. Il y, y a une question de timing, c'est-à-dire savoir quand partir, quels sont les bons moments pour partir, mais il y a aussi une question de savoir quel coureur suivre. Euh, là, comme j'arrive dans la région... Ça fait longtemps que je n'ai pas couru ici. Je ne connais plus trop qui est fort, qui n'est pas fort. Je ne sais pas trop quels sont les coureurs à suivre. Maintenant, ça commence à rentrer parce que j'ai fait plusieurs courses en troisième catégorie. C'est un peu les mêmes coureurs qu'on retrouve. Donc ça y est, ouais, je commence un petit peu à reconnaître des, des visages, à reconnaître des, des coureurs. Et, et maintenant, c'est un peu plus facile. Donc, euh, donc voilà, plus ça va avancer dans, dans la saison, plus je vais, je vais pouvoir suivre des coureurs. Nous voilà euh, une cinquantaine de kilomètres euh, après le départ, euh, et là on est dans la roue de Baptiste Le Vigouroux, euh, champion de France 2017 de poursuite par équipe. Donc autant dire que c'est une machine à rouler. Pendant trois tours, il va rouler plein gaz, et nous on va faire que suivre en fait. On va, on va lui passer 2 trois relais là, mais franchement c'est lui qui aura fait tout le taf. Euh, vous allez le voir dans le sud de la vidéo si on revient sur l'échappée ou non. Mais franchement, ce qu'il a fait pendant 3 tours, c'était impressionnant. Et, et tu vois que le gars, euh, il, il court en troisième catégorie, mais c'est un coureur de première catégorie, tu vois. Pas, euh, là, je, je pense qu'il vient ici pour s'amuser. Donc euh, il est venu, il nous, il, il nous a fait mal à la gueule, faut pas se mentir. Et là, on lui passe quelques relais. Le coureur qui est juste devant moi, euh, c'est le coureur qui gagne à Rieux euh, une semaine et demie avant. Donc euh, lui aussi, il a à coeur de revenir sur, sur la tête. Les coureurs de Pontchâteau n'avaient pas de, de gars devant apparemment. Donc, euh, donc voilà. Là, on va arriver sur, on est sur la partie descendante. Et là, vous allez voir, euh, il va prendre le virage, mais comme un fou. C'est pour ça en fait, dans le vélo, il faut être fort et aussi il faut être technique. Regardez comment il a pris le virage. Waouh Et il met deux vélos dans la lunette. Et je suis obligé de faire un effort monstre pour revenir. C'est pour ça que faut vraiment avoir des capacités de technique sur le vélo. Vous l'aurez compris, on revient sur l'échappée grâce à Bas Baptiste Levigourou qui aura fait un travail énorme. Sauf que petit bémol, il a dit maintenant, les gars, à vous de finir le taf. Donc on les a en ligne de mire, on n'a même pas 10 secondes de retard sur eux et on ne va jamais revenir sur eux. On ne va jamais revenir parce qu'on est des glandus en fait. On, est, on les avait là, on ne s'est pas dit, les gars, on se passe euh, chacun notre petit relais, pas besoin de prendre des relais d'une minute, chacun son petit relais de 30 secondes et on revient dessus. Non, en fait, personne ne voulait faire l'effort. C'est pour ça, je le répète encore, je l'ai sûrement dit dans d'autres vidéos. Euh, il faut, quand vous êtes en échappée, que vous avez le peloton qui est juste derrière, continuer à faire votre effort. Continuez, tant qu'ils ne sont pas dans votre roue, il faut continuer. Parce que quand tu es dans le peloton et que tu reviens sur une échappée, en fait, euh, tu as envie de garder des, des forces pour pouvoir contre-attaquer derrière. Parce que souvent, la contre-attaque euh, qui part quand on revient sur l'échappée, elle est victorieuse. Donc en gros là tout le monde se dit ok je respire un grand coup je bois je mange avant de revenir sur l'échappée comme ça dès qu'on revient dessus ça y est je me mets full gas pour pouvoir repartir et souvent du coup c'est la bonne et du coup tout le monde s'est dit ça et sauf qu'on va jamais revenir dessus donc nous voilà kilomètre 91 il nous reste que 3 km je crois à faire il euh, y a deux coureurs qui viennent de sortir du peloton là. Donc il y a toujours notre échappée euh, qui est devant et qu'on ne reverra jamais. Et là il y, y a plein de coureurs qui, qui ont commencé à partir, à partir. Et, et quand on voit le peloton, en fait, personne ne réagit. Donc je décide de partir à mon tour. Parce que de toute façon je, 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 je suis une brêle en sprint. Je suis un Ferrari passé. Donc euh, du coup j'attaque pour faire la pla meilleure place possible. Euh, après voilà je sais pas trop combien il y a de mecs devant, mais euh, en tout cas j'essaye de de me donner au maximum, au pire c'est un entraînement voir un petit peu quel type de watts je suis encore capable de faire après une course entière, euh, on arrive à se détacher avec ces 4 coureurs, on a pris une bonne petite avance, euh, tout le monde en on a, on avait plus rien à faire en fait <laughs> c'est sûrement pour ça que j'ai pu partir euh, mais voilà je me suis fait un petit plaisir sur la fin comme ça on fait un sprint à, à 500 watts de puissance max, <laughs> tout va bien donc, euh, donc voilà je vais finir euh, bah, 33ème, c'est pas terrible mais en tout cas, j'ai quand même participé à la course, j'ai été euh, actif, si j'ai été présent aux avant-postes, même si c'était pas dans l'échappée, j'ai été présent aux avant-postes du peloton. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas un super résultat, mais bon, euh... voilà, on va dire qu'il y a quand même des, des points positifs à retirer, et puis ça va servir pour la suite euh, de la saison. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Euh, en attendant, ou les biens Et puis, bah, à la prochaine Hey, uh. Don't wait up, uh. I've been working hard every day